Blanche, non? C'est toi, Blanche, non? C'est bien moi. Qu'est-ce que tu parles souvent avec ma femme? Attends. Tu m'as vu chez toi un jour. Est-ce que tu m'as vu devant ta porte? Mais tu parles au moins avec ma femme, Julie. Ce n'est pas ta femme qui vient flatter l'amitié chez elle moi. Elle vient flatter l'amitié. Elle dit, ma Julie, venez flatter l'amitié. Ça dit, je ne peux pas croire. Que ma Julie, et quand elle vient, tu ne peux pas la chasser. C'est ça que je voulais donc te dire, d'arrêter ta femme. Que moi j'arrête ma femme. Oui, il faut la garder bien. Parce que si tu la gardais, elle ne devait pas sortir. Je dis, si je te vois encore chez toi, un autre jour, si tu la gardais, elle ne devait pas sortir. Je dis que si je te vois encore un autre jour avec ma Julie, on va pas te dire. Bye, Woka. C'est-à-dire, tu vas voir. Tu vas savoir. Amène-toi. Master, ce comment tout déménager? Déménager même comment? Déchargez-moi d'abord. J'ai apporté ces appareils pour que bon. On parle, tu me donnes ton prix et. Non, tu disais que tu vas vendre ça. Oui, oui. Donc, j'ai un sérieux problème. C'est ça, c'est vraiment. C'est comment? Ton femme, il a accouché. Dis donc, quelle femme même? Mingambe? Je dis que j'ai apporté ça pour que. Toi, alors, quel problème? Problème d'argent. J'ai un problème d'argent. Donc, you have the. Ok. Tu disais donc que je te donnais combien? Non, donne-moi ton prix. Là, on. I'll give you 30 000. Dis donc, toi aussi. 30 000 que je suis allé voler ça. Parce que là où je suis là, toi d'abord même le facture. Dis donc, les factures, est-ce que c'est un compteur d'énergie? En tout cas, hein, finissons de parler là, je t'apporte les factures demain. Bon. Hein? I'll give you. 50 000. Voilà, apporte alors 50 000 comme tu as parlé. Quand je vais te donner mon argent, demain tout venant avec le facture, tomorrow. Non, je dis que. Donne-moi comment? You come to give me le facture. Oh. Je ne veux pas le problème là demain pour dire que quelqu'un doit venir pour aller chez moi que. Ah. Dis donc. Tout venant me donner le facture tomorrow. Non, il n'y a pas de problème. Bon.
Oh, that's Yena. Okay. Bonjour. Bonjour. C'est comment? Ton oncle est là. Il n'est pas là, il est sorti, il est parti au champ. Ah, s'il te plaît, bon, je voudrais des anciens cahiers de doctrine là. Tu sais quoi? J'avais ce que je veux plus que tu avec les gens de votre famille. Le gens que ton grand-frère m'a menacé ici, là, maintenant, là. Ah. Et si c'est un problème, je veux tout juste le cadre de docteur. Si c'est possible que je puisse me donner, si j'ai envie de fouiller quelque chose là-dedans. D'accord, j'ai compris. Bon, ne te fâche pas. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Mais comme je suis là, c'était pour les anciens cahiers là. Bon, je m'en vais. Attends, tu sors encore avec ton gars, Oliva. Qu'est-ce que tu regardes là-dedans? Tu me demandes ça pourquoi? Qu'est-ce que tu regardes là? Tu sais, puisque dernièrement, mon grand frère, là, il m'a causé de Oliva. Hein, qu'il est recherché par la police d'avoir braqué, escroqué, volé jusqu'à violer même. Oliva ne peut pas faire ça. Tu entends, mon? Il ne peut même pas faire ça. Ça, c'est un gars qui a de l'avenir. Et c'est mon gars. Je ne veux pas vous permettre de faire ça. Et vous ne pouvez même pas changer dans votre famille. Rien que le Congo, ça, le Mouchada. On t'a envoyé. Non, j'ai demandé si tu envoies. On t'a envoyé. Ils sont là seulement pour faire le conseil ici au village. C'est seulement ceux qui connaissent. Les jaloux là. C'est quoi ça? Comment? Le type là est dur. Mais il a quand même pris, non? Il allait même donner 30 000 francs. J'ai quand même tout fait pour qu'il me donne 50 000. Ah bon? Bon. Voilà ce qu'il m'a donné. Bon, pense que. Okay. D'accord. Bon, je vais comme je te dis là. Pour le tout, je ramène les appareils. Ok. D'accord. Bon, Je rentre en soirée. Je vais comme ça, je rentre le soir. Tu comprends, non? Comment se dit alors? Okay. Bon, dans deux jours alors. Même pas deux jours, je dis que je rentre le soir, je reviens directement avec les appareils. Ok. Tu comprends, non? Comment se dit? Bibala. Voilà. Comme je te disais alors que quand je pars, je m'en vais manger. C'est-à-dire que je vais bourrer mon ventre là. Parce que là-bas, je ne parviens même pas à manger, ne serait-ce qu'un bénin. L'argent même pour venir en week-end, chaque week-end, je n'en ai pas. Tu es bien, tu restes seule. En fait, on avait fait les fous chaque jour. Lui, je reste chez Tantine, les gars, je souffre. Les gens qui que je reste comme ça, je pleure, ils disent, hey, papa, où est ma mère? Moi, tu croyais que tu étais bien. Tu rentres le soir, là, il y a pour tu manges seulement. C'est moi qui fais toi à la maison, hein. Je lave les habits, je fais tout. La bonne dame est là. J'ai compris que pour mieux vivre, il faut vivre chez soi. Donc, d'où je passe chez le patelier, je vais manger. Mais c'est que moi-même, je pas faire. Là, maintenant, je vais manger. Hé, hey, maman, il y a les Anglais ici au village. Yes, maman, je vais aller voir, je vais voir toi. Une minute. Tu dis quoi? Yes. Comment tu l'appelles? Moi, yes. On m'appelle Nadia. Ah, your name is Nadia. Nadia. Mec, yeah. Tu as habité le village ici? Non, je sors de la ville. Ah, you come from Yaoundé. Mm-hmm. Yes. Et toi, on t'appelle comment? Me? Oui. Tamanjong.
The chief Tamanjong. C'est quel est le nom? Non, c'est Tamanjong. I come from Northwest. It's my name. Tamanjong. Et tu restes où? J'habitais la maison de le colonel. C'est moi qui gardais la maison de colonel. Colonel Atebaï travaillait pour Yaoundé. Ah, donc tu es son gardien. Yes, yes. Donc tout est venu cesser quoi ici dans le village. Je suis venu prendre l'argent du loyer chez mon père. C'est ce que je suis venu chercher. Ah, tu viens chercher là. Il fallait passer, tu venais me voir. Je devais te donner l'argent là. Je devais te donner. Est-ce que moi je savais alors? Tu ne savais pas? Bon, aujourd'hui, tu connais déjà qu'il y a quelqu'un qui peut. Un falo. Tu comprenais, non? Donc, tu passes demain from ma maison. Tu connais déjà, non? Le colonel Ateba. Colonel Ateba. Voilà. Même si tu demandais, qui va te dire? Il va encore demander qui l'a. Colonel Ateba, Tamanjong. Tamanjong. Voilà. Prendez le 5000 ici. Tu comprenais, non? Oui. Tu vas payer le taxi demain pour venir demander la maison de moi. Merci. Tu comprenais, non? Bon, demain alors. Ok. J'espère qu'elle va te trouver. Yes, mamie, tu vas trouver moi. Tu vas trouver moi. Ok. Oh, Addis Alote, hein? Ok. C'est comme si tu étais avec moi. Tiens, ouais. Tiens, j'espère que ça ne va pas durer. Et où? On t'a dit qu'elle sort avec les Anglos. Non, père, il ne peut même pas d'abord te voir avec les Anglos. Non, il ne peut même pas d'abord sortir avec les Anglos. Non, j'ai confiance quand même. C'est quoi ça? Il faut qu'elle mange là maintenant. Allons.